Eh bien, salut les amis, nous allons poursuivre avec la notion de classe, d'accord? Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de deux opérateurs. Nous allons parler de l'opérateur deux fois le signe d'infériorité et de l'opérateur deux fois le signe de supériorité. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu l'importance d'appliquer le principe d'encapsulation. La déclaration et l'utilisation des accesseurs, des mutateurs, d'accord, de nos données membres. Et nous avons vu également comment nous pouvions récupérer et afficher les coordonnées d'un point, bien sûr à partir des fonctions récup.point et affiche.point que nous avions créées. Alors, nous allons apprendre cette fois-ci à utiliser l'opérateur deux fois le signe de supériorité pour afficher les coordonnées d'un point et l'opérateur deux fois le signe d'infériorité pour récupérer les coordonnées d'un point. Et pour ce faire, nous allons quand même passer à un cas pratique. Alors, nous allons améliorer notre projet d'accord sur les points en supprimant bien sûr les fonctions récup.point et affiche.point que nous avions créées auparavant. Puis, nous allons créer les fonctions de type void, opérateur deux fois le signe de supériorité et une deuxième fonction de type void également, opérateur deux fois le signe d'infériorité pour respectivement afficher et récupérer d'accord les coordonnées d'un point. Et donc, nous allons faire appel à ces opérateurs, d'accord, au niveau de notre fonction principale, afin de vous faire découvrir quand même quels sont les procédés d'utilisation qu'il faut connaître, d'accord, quand il faut vouloir, quand on a envie, voilà, de pouvoir utiliser actuellement ces opérateurs pour pouvoir quand même récupérer, dans notre cas ici, par exemple, les coordonnées d'un point. Et donc, on va rapidement passer en même temps dans notre code bloc, d'accord, pour pouvoir pratiquer déjà, faire un cas pratique. Tout ce que nous sommes déjà en train de dire. Et donc déjà dans notre projet, la première chose que nous allons commencer déjà par faire, c'est de faire la mise à jour d'accord du code au niveau de notre fichier .h. Et donc nous avions dit actuellement qu'on va beaucoup plus utiliser actuellement les opérateurs deux fois le signe d'infériorité et deux fois le signe de supériorité maintenant pour pouvoir nous permettre de afficher et récupérer actuellement les coordonnées d'un point au lieu d'utiliser actuellement nos fonctions affiche.point et récup.point que nous avions créé auparavant. Donc, dans un premier temps, nous allons commencer par ajouter déjà IOStream. Donc, je vais inclure rapidement IOStream. Voilà. Et je vais déjà commencer par supprimer beaucoup plus les prototypes rapidement de nos deux fonctions que nous avions créées pour pouvoir déclarer maintenant les deux nouvelles fonctions que nous allons pouvoir utiliser. Donc, ce sont des fonctions de type void. Donc, je mets void, j'appelle opérateur. D'accord. Je commence par d'abord utiliser deux fois le signe de supériorité. Et entre parenthèses, je vais rapidement passer au stream. Donc, je mets std, deux points, deux points, au stream. Oups. Voilà. Et donc, et commercial out, tout simplement. Point virgule. Et je pourrais maintenant déclarer également rapidement le prototype de ma deuxième fonction. Donc, c'est le type void, toujours. Opérateur. Et donc cette fois-ci, je passe deux fois le signe d'infériorité. Et rapidement, je le passe également cette fois-ci uStream. Voilà. Et donc, et commercial in tout simplement. Voilà. Donc, je viens de déclarer rapidement les prototypes de nos deux fonctions. On ira maintenant déclarer maintenant le contenu actuellement de ces deux fonctions, d'accord, au niveau de notre fichier .cpp. Et donc dans ce fichier, rappelez-vous qu'on avait défini le contenu actuellement des fonctions récup.point et de affiche.point. Et donc nous allons juste modifier actuellement ces deux fonctions car dans tous les cas, les nouvelles fonctions qu'on veut créer actuellement veut en griffe nous permettre quand même de pouvoir faire pratiquement les mêmes choses que ces deux fonctions-là. La seule différence que c'est beaucoup plus ces opérateurs maintenant qu'on souhaite utiliser. Donc je vais commencer par modifier déjà la fonction récup.point. Et pour ce faire, je vais commencer par nettoyer déjà récup.point, donc je supprime. Et je vais maintenant faire appel rapidement à notre opérateur. Alors récup.point me permettait de pouvoir récupérer les coordonnées. Donc pour pouvoir récupérer actuellement les informations, je vais faire appel à l'opérateur deux fois le signe d'infériorité. D'accord? Et je lui repasse rapidement le paramètre que nous avions passé. Donc je passe std deux points istream et commercial id. Ce qui me permet de pouvoir maintenant utiliser actuellement mon in au niveau de mon code. Donc, à ce niveau, j'ai entré l'abscisse, pas de problème. Et là, maintenant, je peux rapidement maintenant faire in. D'accord? Et
Deux fois le signe de supériorité, ABS, pas de problème. Ensuite, un cROUT entrée l'ordonnée. Et donc, à ce niveau également, je fais appel à mon IN pour pouvoir récupérer l'ordonnée. Et donc, jusque-là, pas de problème. Je reviens maintenant au niveau de la deuxième fonction, la fonction affiche point, pour faire pratiquement la même chose, mais cette fois-ci, je vais faire appel à notre deuxième opérateur. Donc, l'opérateur deux fois le signe de supériorité. D'accord? Et nous allons également lui passer rapidement quoi étant notre paramètre. Cette fois-ci, c'est out. Et donc, je pourrais maintenant utiliser notre out maintenant pour pouvoir quand même afficher, d'accord, le contenu actuellement des données membres, d'accord, du point concerné. Donc là, je fais rapidement un out ici. Et là également un out tout simplement. Voilà. Et donc, on vient de définir ensemble actuellement le contenu actuellement de nos deux fonctions. Et donc, on ira maintenant au niveau de notre fonction de notre fichier main.cpp afin de voir si effectivement on peut maintenant faire appel aux opérateurs deux fois le signe d'infériorité, deux fois le signe de supériorité pour pouvoir quand même récupérer, comme je le disais tantôt, les coordonnées d'un point ou afficher les coordonnées d'un point. Donc, je reviens au niveau du main. Et donc au niveau du main, le code commence rapidement par l'affichage actuellement des données membres du point A. Pas de problème, on avait utilisé des accesseurs, donc jusque-là, pas de souci. On a affiché également les coordonnées de l'instance point B. Pas de problème. Ici, on a fait appel beaucoup plus au mutateur afin de vous montrer, d'accord, comment on peut utiliser le mutateur pour faire une modification. Donc, je peux déjà le mettre en commentaire. Voilà, donc je mets juste cette partie en commentaire. Et là, après l'affichage actuellement des coordonnées actuellement du point A et du point B, on a commencé par récupérer maintenant les coordonnées. Et donc on avait utilisé récup point. Cette fois-ci, maintenant, je vais maintenant utiliser d'accord l'opérateur qu'on a déclaré ensemble afin de vous montrer que effectivement on peut l'utiliser pour pouvoir récupérer. Donc cette fois-ci, j'enlève récup point. Voilà, et donc j'appelle maintenant l'opérateur deux fois le signe d'infériorité. Et directement, je peux maintenant le faire un sign. Donc, std, deux points, deux points, sign, tout simplement. Et donc, là, je viens de dire actuellement, voilà, je vais rapidement utiliser notre opérateur pour pouvoir être en mesure de récupérer les coordonnées du point A. Et donc, si notre code marche correctement, ça va pouvoir faire appel à la fonction qu'on a créée, d'accord? Opérateur, deux fois le signe d'infériorité, afin de pouvoir récupérer rapidement, d'accord, nos coordonnées. Donc, je fais d'abord la même chose au niveau du point B. On aura l'occasion de tester tout ça ensemble. Donc, je vais également appeler notre opérateur. Donc, deux fois le signe d'infériorité, std, deux points, sign, tout simplement. Voilà. Et donc, par la suite, on a déterminé la distance entre les deux points. Pas de problème. On a affiché directement à partir du cROUT. Pas de problème. Ensuite, on a déterminer, voilà, le milieu du point, donc des points A et B. Et là, on verra afficher maintenant les coordonnées du point. Donc, cette fois-ci, on peut plus utiliser actuellement affiche point, mais je vais plutôt faire appel maintenant à notre deuxième opérateur. Donc, cette fois-ci, on va faire appel à l'opérateur deux fois le signe de supériorité. Voilà. Et donc, là maintenant, comme on doit afficher, je fais rapidement un cout. Voilà. Et donc, si notre code marche correctement, qu'est-ce qui doit se passer? Là, on doit pouvoir remarquer que ça va nous afficher les coordonnées. Donc, du point A, c'est 0, 0. Le point B, c'est bien 2 et 6. Puis, par la suite, ça va nous demander maintenant les coordonnées du point A qu'on doit pouvoir récupérer. Ensuite, les coordonnées du point B qu'on doit pouvoir récupérer. Et ça va nous afficher maintenant la distance entre ces deux points ainsi que les coordonnées du milieu si effectivement notre code marche correctement. Donc, je vais lancer le test. Donc, voilà, je viens de lancer le test actuellement de notre programme. Et comme vous le voyez, la console est venue. Donc, ça dit que le code marche correctement. On peut déjà effectuer le test. Donc, entrée l'abscisse, j'entre 2, j'entre 4, j'entre 5, j'entre 2. Et donc, ça me dit la distance entre les points A et B. Et donc, ça a bel et bien déterminé la distance. Et ça a également déterminé les coordonnées. Et donc, comme vous venez de remarquer, on vient d'afficher, d'abord de récupérer dans un premier temps les coordonnées d'un point directement à partir de nos deux opérateurs. Enfin, précisément, pour être précis, à partir de l'opérateur deux fois le signe d'infériorité. Et on a été en mesure, d'accord, de pouvoir afficher les coordonnées du point M à partir de l'opérateur deux fois le signe de supériorité.
Et donc, vous voyez, là, simplement, l'avantage, c'est que directement, en appelant l'instance et en faisant appel à notre opérateur, il suffit juste actuellement de lui associer directement actuellement une SCD 2.2.cin et directement, ça me permet de pouvoir récupérer les coordonnées. Par contre, quand il s'agit actuellement d'afficher les coordonnées du point actuellement, on fait juste appel actuellement à notre deuxième opérateur. Et en faisant rapidement un CAOUT, ça nous permet vraiment de pouvoir être en mesure de pouvoir afficher les coordonnées du point, bien sûr, en tenant compte du message ou des informations que nous avons prédéfinies dans le contenu, d'accord, de nos fonctions. Et donc, chers amis, voici déjà les deux opérateurs que je tenais quand même à vous présenter au niveau de cette vidéo. Mais pour faire mieux, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer que au lieu de mettre ça peut sembler un peu compliqué d'abord l'affichage actuel, c'est-à-dire avoir l'instance, avoir l'opérateur et avoir actuellement un CAOUT qui vient, ou avoir l'instance, avoir l'opérateur et avoir un CIN qui vient. Pourquoi ne pas utiliser actuellement la méthode habituelle ou je dirais le format habituel où on a généralement un CAOUT qui vient d'abord, ensuite l'opérateur, ensuite l'instance. Et quand c'est par exemple une récupération, qu'on a d'abord le CIN qui vient d'abord, ensuite l'opérateur, ensuite l'instance. Et donc, je vais vous montrer comment on peut encore mieux améliorer actuellement notre code afin d'avoir par exemple le format initial dont je viens de vous parler. Et cette fois-ci, on parlera des fonctions AMI. Donc, chers amis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous donc très bien.